Ce jeudi 7 septembre, Danny Masterdon, connu pour ses rôles dans The 70 Show ou encore The Ranch, a été condamné à 30 ans de prison pour les viols de deux femmes lors de son nouveau procès à Los Angeles, ont annoncé NBC, Los Angeles Times et CBS. Danny Masterson, le comédien aperçu dans The 70 Show ou encore The Ranch, a été condamné ce jeudi 7 septembre, à 30 ans de prison pour les viols de deux femmes il y a deux décennies à son domicile de Hollywood Hills, ont rapporté NBC, Los Angeles Times et CBS. Il a ainsi été reconnu coupable de deux des trois chefs d'accusation de viol en mai dernier puisque le témoignage de la troisième plaignante n'a pas été pris en compte par le jury. Le comédien a été condamné à deux peines de 15 ans de prison pour les crimes qu'il a commis et les purgera successivement. Danny Masterson est incriminé pour les viols en 2003 de Jane B., 28 ans, qui était faible et étourdie au moment des faits et qui l'a menacé en brandissant une arme à feu et en l'étouffant avec un oreiller, et celui de N. Trout, 23 ans. Les victimes ont le même point commun, elles faisaient partie, comme le comédien, de l'église de la Scientologie. Danny Masterson, l'église de la Scientologie au cœur du procès. Le procès de Danny Masterson n'était pas seulement le sien, puisque la place de l'église de la Scientologie sur l'emprise des victimes a également été discutée. En effet, le comédien est un membre du mouvement religieux et les victimes en étaient aussi membres, ce qui les a empêchés, selon elles, de porter plainte pendant de nombreuses années. Au moment des faits, les victimes avaient témoigné de leurs agressions aux responsables de la Scientologie, qui les avaient fortement découragés de porter plainte sous peine d'être excommuniés. Les victimes affirment avoir été harcelées par l'église de la Scientologie après leur plainte. Trout a d'ailleurs déclaré avoir été tourmenté par l'église de la Scientologie pour avoir dénoncé le comédien aux autorités, mais a affirmé après le procès que la condamnation en valait la peine. Depuis la semaine où je me suis présenté à la police, j'ai été terrorisé, harcelé et ma vie privée envahie quotidiennement par la secte de la Scientologie, a-t-elle déclaré, et d'affirmer, mais je ne regrette rien. Quant à Jane B., elle n'a pas eu de contact avec sa mère, membre du culte, depuis 2020 lors de sa plainte. Elle m'a envoyé un texto et m'a dit de ne plus jamais la contacter, a-t-elle confié. Elle m'avait prévenu à l'avance qu'elle voulait voir Danny Masterson enfermé pour ce qu'il m'avait fait, mais pas au détriment de sa religion. De leur côté, l'église de la Scientologie a toujours nié les accusations des victimes à leur encontre et a affirmé que leurs membres respectent toutes les lois du pays.